Ouest France, o jornal, promoveu um concurso de poesia e em segundo lugar ficou uma jovem senhora de quase 70 anos chamada Marie Bardinat. Eu não a conheço, ela não tem rede social e eu não sou cantora, mas hoje eu vou cantar. E é assim o poema dela. La maison déjà s'éveille, frémit de contentement. Chaque placard s'émerveille d'être rangé si souvent. Pour les cafés se dégustent, et puisqu'on a tout le temps, les grillés pendant des bousques pour des toasts, évidemment. Un footing dans les jardins, les oiseaux présents rigolent. On trottine en pensant, en chantant avec son idole. Parfois on se réfugie pour retrouver du courage. Celle d'un zombie est son prix pour que les virus dégagent. Sur le net, l'humour explose, des images nous font rire. Belayant l'humour morose, nous revoici tous sourire. Les deux autres s'organisent, on échange nos recettes. Notre ego n'est plus de mise, on partage les emplettes. Par SMS, les amis échangent de l'air nouvelle. L'écran Skype réunit les confinés qui s'appellent. Chaque soir à la fenêtre, on applaudit les soignants. Grâce à eux, à nous peut-être, adieu les confinements. Restons tout joyeux chez nous, chantons, dansons et dessinons, inventons des moments doux. Et notre vie embellissant. Eu derramaria 300 mil lágrimas, uma para cada vítima fatal.